Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre une petite jupe d'été à volant. Pour réaliser cette jupe, je vais utiliser un peu près 75 cm de tissu, une fermeture éclair de 18 cm. Je vais utiliser cette robe droite comme modèle. J'ai déjà préparé les coupons de la jupe. J'ai préparé deux coupons de 40 cm de hauteur, c'est ce qu'il me faut pour la jupe. Deux coupons pour le volant de 75 cm de longueur par 11 cm de hauteur. Deux coupons pour la ceinture de 8 cm de largeur. Nous allons commencer par plier le modèle au milieu, on met quelques épingles. Je vais plier au niveau de la taille, comme ceci. Maintenant, on va plier un de nos coupons au milieu, endroit contre endroit. Sur le haut du tissu, on va plier environ 2 cm pour les pinces, comme ceci. On va épingler le modèle au tissu, on le positionne pliure avec pliure. Je vais laisser à peu près 2 cm de marge de couture. On découpe. On va couper de la même façon le deuxième coupon. Maintenant, nous allons marquer les pinces. On va les marquer sur le haut du tissu à 10 cm en partant de la pliure du tissu. Je vais faire ces pinces à 4 cm par 7 cm de hauteur. La même chose de l'autre côté et sur le deuxième tissu. On va épingler les pinces et les coudre au point droit.
On va faire un nœud pour solidifier la couture. Maintenant, nous allons assembler nos deux tissus. On va les positionner endroit contre endroit et on va épingler les côtés. Je vous conseille de bien essayer le vêtement avant de coudre les côtés. Maintenant, sur les côtés, on va passer la surjeteuse ou un point zigzag. Moi, je vais le faire à la surjeteuse. Maintenant, on va coudre la ceinture. On positionne nos deux coupons endroit contre endroit. On épingle sur un côté et on passe une couture au point droit. On va plier notre tissu au milieu, envers contre envers, et on marque bien le pli au fer à repasser. Maintenant, seulement sur un grand côté, on va passer la surjeteuse. On va épingler la ceinture à la jupe. On va unir la couture sur le côté. On va passer une couture au point droit à 1 cm du bord. Maintenant, nous allons épingler la fermeture éclair. On va positionner l'endroit de la fermeture éclair contre l'envers du tissu et on va démarrer la fermeture éclair à partir de la pliure qu'on a fait sur la ceinture.
on va passer une couture au point droit et on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. Maintenant, on va épingler sur tout le tour et on passe une couture. Maintenant, on va coudre le volant. On va assembler nos deux coupons endroit contre endroit et on épingle les deux côtés. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. Maintenant, je vais passer la sujetose sur les côtés et sur un grand côté du coupon, ça sera le bas de la jupe. On va faire l'ourlet à 1 cm du côté surjeté. On passe une couture tout autour. Maintenant, nous allons passer deux coutures sur le haut du coupon. On va les faire au point large pour faire les fronces. La première couture, on la fait bien au bord et la deuxième à 5 mm de la première couture. On fait les fronces à la dimension du bas de la jupe.
Maintenant, on va épingler le volant à la jupe. On positionne nos tissus endroit contre endroit et on va bien aligner les coutures sur les côtés. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et ensuite on passe un point zigzag ou la surjetose. Voilà, la jupe est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.